Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour la suite de mon let's play sur la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Dans cette vidéo, comme le titre l'indique, on va se servir de tous nos petits commandants que l'on a récupérés hors vidéo pour trahir leur chef. Ces trois-ci. Dès qu'ils seront trahis, bah, je les récupérerai. Pour récupérer la forteresse. En gros, bah, on a trois petits ennemis à trahir, trois capitaines à trahir, et on va voir ce que ça va donner. Merci de regarder et bon visionnage. Merci, je prends ça. Ah, je peux pas monter. Voilà. Oh, qui se fout là, le Caragor. Des araignées. Nope. Bonne nuit. Alors, trahison. Trahison, les gardes du corps de Harcarol, le mange-montagne, le conduisent dans une embuscade, triompher du chef de guerre pour désactiver Porte de Fer. La tour. Affronter un chef de guerre après avoir fait de tous ses sous-fifres vos alliés. Pas. Cassé. Allez, on te brise, on va récupérer le mange-montagne. Je te rabaisse. Allez hop, dégage. Alors, voilà. La forteresse a été affaiblie, la défaite de ce chef de guerre a désactivé Porte de Fer. Bon, par contre, faut que je récupère tous mes chefs là, pour les redégager. Pas qu'il reste, parce que je sais pas ce qui se passe. Parce que... ah non non non, ici, mais... Oh. Ici, venez. Pourquoi je peux pas les avoir? Ils vont partir après un moment? Je sais pas, bon. Je vais tous les faire bouger l'un après l'autre, c'est tout, hop. Tout ce que tu voudras, au moins comme chef. Ça. Bon, hop, lui aussi. Bon, le seul que je vais laisser, c'est l'aigle de Caragor, rien que pour voir. Je m'en vais, seigneur de lumière. Alors, hop. Il me voit tomber, nope. Y'a personne. Non, ça va pas, y'a personne. Coucou. Allez, hop, hop, on s'amuse. C'est qui a balancé la flèche? D'accord, c'est à deux. Par contre, ouais, non, j'ai pas vraiment l'air... je pense pas vraiment qu'il se taille. Hein. Je pense pas qu'il se taille. Hein. Non, non, non. Oh putain, il m'énerve avec son Caragor. Mais non, mais il se fout de moi en plus. Mais non, mais... J'adore les ennemis, tu y as par devant eux, mais non, ils sont tellement occupés par le Caragor qu'en fait, ils ne te captent pas. J'adore ces ennemis-là. Crever.
J'ai fait quelques petites modifications comparé à... au Let's Player. C'est normal si vous voyez plus le triangle affiché au-dessus. C'est un peu trop facile en fait. C'était trop facile de directement pouvoir tout le temps, dès que ça s'affichait, ben on avait qu'à appuyer. Ici c'est déjà un peu plus compliqué, mais bon. Si je trouve que c'est quand même trop facile, j'ai limite je rêverais carrément quoi. Là ça risque d'être marrant. Non, 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 pas l'araignée. Ah merde. J'avais dit pas l'araignée, elle m'a quand même chopé. Bye bye les araignées, je les aime pas. Hop, voilà. Ça, c'est fait. J'ai ma monture pour déplacement rapide. Allez, rush! Ouais, passer directement dans le corps d'un ennemi, c'est le meilleur à faire quoi. Par contre, non, j'ai pas vraiment, il n'y a pas vraiment l'air d'y avoir. D'y avoir un capitaine qui garde. Mène une chasse au Karagor. Ouais, mais non, le Karagor, tu vas pas le tuer. Le Karagor, il sera bibi. Par contre, toi, tu serais pas allé très loin. J'espère que vous êtes tous prêts. Alors, éliminer deux exécutions à deux de bêtes. Bonjour. Pas suffisant pour toi, hein. Ce que tu aimes, c'est la torture et le tourment. Ouais. Moi, tuer me suffit largement. Tu vas voir, je vais te montrer. Ah, bien sûr. Ça compte ou pas ça? Oui, ça compte. Bon, par contre, il me faudrait encore un ennemi. Oh, mais c'est cool, t'en rappelles peut-être. Bon, par contre, j'ai pas vraiment l'air. C'est moi ou le corps il est totalement vide en fait maintenant? D'accord, le corps est actuellement vide. Ah, voilà, il y a un ennemi. Voilà, comme ça, moi j'ai. Le truc. Merde. Et merde. Nye. Au. Prépare-toi à mourir. Au, 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 au. Non, 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 il n'y a personne. Il n'y a personne ici. Oh, déjà, tu dois me toucher. Allez, lâche-moi le mange-montagne. Alors, Tadam. Battre en retraite. Oui, maître. Avancer dans le temps, là j'ai un allié. Et là j'ai une mission. Rapidité mortelle, c'est quoi ça? Oh, miam miam. Ah. Plus jamais je ne languirai dans ton ombre. Oh. Je m'élève pour fondre sur toi à une allure implacable. Takra, c'est pas bien ça.
Ouais, je suis désolé, hein, mais bon. On va faire avec, mon cher. Attendez deux secondes là parce que. Aouf. Ah. J'ai plus de flèches. J'ai plus de flèches. Monte. Ça c'est con, hein. C'est qui me balance le suret là? Putain, tu m'emmerdes. Un mec qui a essayé de me suriner. Insensible aux exécutions, fais chier. Non, 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 non. Il y a trop d'ennemis et j'ai pas. J'ai pas de flèches. Il me faut des flèches. Deux secondes, je reviens. Alors, les flèches. Sous les flèches. Désolé. Alors, les flèches, les flèches. Sont en bas? Oui, ils sont en bas. Mais non, le feu, il y a un con qui a marché dans le feu. Bon. Alors venez, 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 voilà, vous êtes bien. Aïe, pouh. En plus, on empoisonne la zone, mais c'est bien tout ça. Aouh, et merde. Aïe, 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 plus de vie, plus de vie, plus de vie. Oui, 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 oui. Il n'y aurait pas un ennemi quelque part? Non, pas lui. Pas lui. Il me faut un petit ennemi. Une petite chose, voilà. Non, bon, ben. On va faire autrement alors. Grave, 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 grave. Voilà. On les attend ici. Ah, bah là, il y en a. Mais non! Pourquoi il est descendu lui? Ils sont même deux, ils ont fusionné. Ah, fusionné avec B. Mais c'est bien tout ça. Oui, je suis... Non, je suis... Rectification, je suis jamais parti en fait. Bon. Tu me trahis pas cette fois. Il me semble qu'il faut d'abord que je le rabaisse. Il me semble qu'il faut que je brise d'abord sa volonté. Et de ce fait, je peux essayer de le ravoir, ce con. Bon, où est-ce qu'il est, ce con? Où est-ce qu'il est? Zuka, Zone, Mozu, Hazard, Tuka. Et il est où? Boss, non. Non. Mais il est où le mec? Ah, il est là, je trouvais pas. Il se cache cher. Là, voilà. Il joue à cache-cache, le petit, il avait peur de moi. Le voici. Attendez, parce que... Ah, ok, faut que je monte tout au-dessus. Non, bah on monte. Hein.
C'est quoi la bestiole qui combat? Oh, Grog! Bon. Je joue à cache-cache. Non, il n'y a personne qui te poursuit. Il y a Drog qui s'amène. C'est pas la même chose. Mais non, pas lui! Le Drog! Le Grog! Voilà. J'ai ma monture. Bon, pas aussi rapide qu'un Karagor. Mais ça se déplace plus vite. Ça monte plus rapidement surtout en fait. En fait, ce que j'ai dit, c'est un peu... Mais non! Monter, pas descendre. Voilà. Par là. Monter. Ouah. Oh, boom. Une. Pom pom. Il la saute, il saute dessus pour l'écraser quoi, pour être sûr de l'écraser. Il est pas vraiment sympa lui. Non, c'est vrai? Je crois pas que je suis vraiment discret en fait. Je crois que c'est ça le gros problème. Je suis pas assez discret. C'est dommage. Bon par contre les molags là, normalement ils font pas facilement. Ils sont facilement aussi tuables. Allez, là tu dois bien être jeune. Oh, à peine miam, miam. Oh, pourquoi t'es obstiné à revenir encore, hein? Tu peux pas rester mort. Au cas où, tu m'as pas tué, hein. Je vais te dire ça après. Même si t'as essayé, t'es un peu foiré. Hop, on descend. Non! Écrasé! Tu te fous de ma gueule! Il s'est seulement tourné! Il y a le bro qui s'est seulement tourné, quoi! Non! Putain! Bon, bah voilà. Allez, deuxième trahison. J'ai été trahir capitaine. Et il y a un de mes capitaines qui m'a trahi. Voilà. C'est bien. C'est bien. Ce chef de guerre croit nous avoir manipulés. Montrons-lui à quel point il se trompe. Qui a manipulé qui? C'est qui croit m'avoir manipulé en fait? Que je rigole. Là. Tire à la tête. Oh. Ah, comme il... Le bruit qu'ils font quand ils meurent. Ça me fait assez marrer. Non, c'est... Non, non. T'aurais regardé sur ta droite, peut-être que t'avais... Survivre. Ouais, j'y... Non, j'y crois pas, mais bon.
Alors, on enchaîne. 1, 2, hop, hop. Non, je peux pas. Non, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis. Si, là, il y en a là. Alors. Là, il y a tout plein d'ennemis en bas. Qu'est-ce que c'était ? Rien. Chut. Y'a rien. T'as fait quelque chose ? Ouais. Non, c'est pas fini, ça commence. C'est ça la différence. Alors. Lequel est-ce que je pourrais avoir dans le tas? Tarz la babine. Oula! En arrière-plan, il y a Lolo qui est en train de dégommer le... Ratak la dompteur. Trahison. Non! Non. Ah, il fuit par trahison. Je parie qu'il fuit pour trahison. Oui. Attention, il y a un explosif. Question, c'est quoi le délire? Ouais mais non, moi je voulais pas ça moi. Ça part n'importe comment là en fait. Pour nous espionner. Je vais bientôt lui mettre la main dessus. Ah non, rectification, ils sont trois ici. Fils, pas d'ennemis. Mais non, il va crever. Mais non, il va crever. Allez. Mais non, il est mort. Il est mort à cause des explosions. Ah non, pas encore. Je le ratais. La forteresse a été affaiblie. La défaite de ses chefs de guerre a désactivé Bête de siège ardente. Oula. Ah oui. Bon. Oui, il lésine pas lui en fait. Il lésine pas du tout quoi. Ah mais bon, retraite. Oui, maître. J'ai besoin de renfort. Ouais, lui par contre, il est pas vraiment résistant. Je crois qu'en fait, il a... Il se fait facilement exploser par les... Voilà, nourriture pour bête, des attaques de bête, tu lui infliges là pour ton dégât. Voilà. Enragé par les exécutions, insensible aux exécutions. Dégâts par attaque à distance, dégâts explosion, peur de la brutalité. Bon. Allez, bord, trade, mon cher. Il n'y avait pas un autre ennemi dans les parages, il me semble. Bon, après, ça va. Après... Je sais pas. Épée de machin. Ouais. Ah, on peut pas. Ah, bah si, détruire. Ah non, j'aime bien l'épée, la buveuse de vie, j'aime bien. Elle est bien, elle est pétée. Alors, je regarde vite pour faire deux, trois petites améliorations. Excusez-moi. Alors, ici, je retire cette jambe-ci, je l'améliore. Hop.
En une de niveau 4. Hop, voilà. Et j'ai plus. Personnage, c'est les compétences. Rage bestiale. Vous pouvez effectuer une exécution. Voilà. Même si vous manquez de puissance. Dans ce cas, cette action consommerait une partie de la sauté de votre monture. Ah! Ouais, c'est pas une partie, on dirait carrément un tir, quoi. Désolé, mais non. Votre tir d'elfe est rechargé quand vous drainez un ennemi. Ça, c'est nickel. Amélioration de domination. Les ennemis drainés sont aussi dominés et se battront pour vous. Ah ouais, mener B pour dominer, RT plus B pour une domination furtive et bas pour activer. Ouais, non, ça, c'est mieux. La lance, je l'utilise jamais. Alors, ça, c'est les Drake. Écailles de fer. Ça c'est le Grog. Fureur tenace, les attaques normales de Grog génèrent davantage de puissance. Les exécutions à d'autres Grog régénèrent davantage la santé de votre Grog. C'est quoi ça? Lumière elfique. Utilisez jamais. Jamais utilisé. Tempête de glace. Je les ai mis en appuyant sur B. Puis enchaîner avec une volée d'attaque à l'épée en appuyant plusieurs fois X surprise. Oula. Ah! Ah ouais, ça peut le faire. Là, j'ai froid. Alors. Eh, ça va pas sans lui. Ah si. Nope. Nope. Aou. Mais non. Aïe. Et crème. Il fait mal lui. Mais il m'a fait mal. Oh, le Karagor qui a plus de vie. Oh bon, bah le Karagor qui est mort. Aïe. Et toi, ça, ça te plaît? Une fois Karagor, là. L'amélioration du Karagor, le Karagor féroce. Beaucoup plus stylé. Mais je vois pas vraiment c'est quoi la différence, question vitesse. Même. Alors. Même, mon petit. Ma petit, le truc il fait pratiquement la taille de mon perso debout quoi. Non, t'arriveras pas à la tuer, pour ça tu dois la rattraper. C'est que t'arriveras pas. Allez, bon. Allons chercher la bibine. Quand je pense que quand... Le trois quarts du temps, bibine, c'est pour dire de l'alcool ou autre. Mais non, pas apparemment pas ici. Ici, c'est un nom. Ou alors, c'est un alcool. C'est... Bah, en fait, c'est comme tous les orques. Ils boivent comme un trou. Chasse au Karagor. Darz la... Ah non, c'est pas la bibine, c'est la babine. La babine. D'accord. La babine, pourquoi pas. Ouais, et toi t'es pile à l'endroit où moi je voulais aussi. C'est bien tout ça, non? Alors, exécution au sol, ça irait très rapidement. Hein. On le moleste, hop. Voilà, il est à nous. De ce fait, tous ceux qui sont dans les parages sont pas à nous. Sont à nous. Voilà. Il va le tuer. Il va le tuer. Oui, non?
Si, il allait le tuer. Moi, je m'en fous, hein. Ça m'énerve quand même que j'ai perdu un de mes chefs. Aouh! C'est pas gentil ça. Méchant. Aouh. Hébété. Ah tiens, je te domine. Viens chez moi. Alors, j'espère que tu vas pas me trahir toi. Et mourir après par une explosion. Ah non. Il est mort écrasé sans être écrasé en fait. C'est vrai. Alors, elle est où notre troisième... Ouais, par contre, ici, il faudrait que je voie vite. Un capitaine ennemi se prépare à attaquer le corps d'un autre capitaine. Je vais vite aller aider mon allié. Mire, je peux pas aider. Oh, j'arrive pas à monter. Je sais pas ce qu'il a bu à mon perso, mais en tout cas, c'est pas de la bonne. Hein. Ouais, ça a dû fortement de la bonne, quoi. Parce que, on n'est pas qu'il arrive à monter ça, c'est grave, quoi. Oui! Bon, par contre, j'espère que je vais pas me bloquer. Je pense que je peux monter, là. Oui. Ah bah ouais, j'avais même pas vu. Bonjour. Faites pas attention. C'est que moi. Je m'en sortirai pas, Je voudrais bien avoir ça, hein, perso. Voilà. Alors... c'est un capitaine inconnu allié contre un capitaine inconnu ennemi? C'est quoi le délire là? Des gardes. Le Mordor n'est pas hospitalier. Hop, ça c'est un ennemi. Et là ça va être un allié ou un ennemi? Ah, je sais pas. Hey, Snob! Tu te souviens de moi, douche? Peut-être que quelques coups bien placés sur le... Ah! Non, en fait, c'est deux ennemis. Mais lui, il vient faire chier, douche. Ouais, ça me va. Ta toute dernière vision sera mon grand sourire. Ou alors le mien. Ou le mien. Ah! D'accord, en fait le mec il s'est pas vraiment dupliqué, c'est seulement un mec en fait qui m'a trollé convenablement. Ah ouais! Alors toi je vais déjà t'envoyer en retraite là parce que ça va être troll total sinon. Alors hop, on va faire ça, voilà maintenant je peux m'occuper convenablement. Aouh. Ça pète de partout. Je vais crever. J'ai plus de vie. Je vais crever. Mais non. L'orage. J'ai l'impression que tout le monde essaie de s'en prendre à nos défenses, les gars. Non. C'est pas vrai. Personne n'essaye de s'en prendre à vos défenses. C'est moi ou il a carrément des... Non, ils ont des tirs explosifs, c'est con.
L'autre qui a rien demandé qui est au milieu. Oh. Mais oui, je m'en doute qu'il s'adapte. On descend. Mais non, on descend. Voilà, descends toi aussi. Faut que l'autre descende aussi. Bon ben voilà. Voilà voilà. C'est Douche le farceur qui a gagné. Bon ben... What? Excusez-moi, 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 c'est quoi ce délire? Et vous vous foutez de moi ou quoi? Oh putain, j'aurais pu en avoir... Ah, au moins, ben non, j'ai pas pu, pourquoi? Parce que... Mais c'est... D'où je ne peux pas? Putain... J'ai même pas pu, quoi. Ça m'énerve, en plus douche. Ne m'a pas douche, machel. Le farceur. Casse les couilles. Bon. Bon bah. On va aller faire ce que j'avais dit. Alors. Allons faire la quête. Par ici. Par ici sera le plus court ou pas? Ou par l'autre côté? On va voir. Je suis où moi? Par ici sera meilleur. Hop hop hop. Ah ça m'énerve qu'il est mort. Qu'il soit mort. La magie elfique noire. Je suis désolé mais les elfes ne sont pas réputés pour utiliser la magie nécromantique. Bon après noir, blanc, jaune, rouge, il n'y a pas vraiment de différence dans la magie. Hein. Sauf que bon, on dit que la noire, elle est pas... C'est celle qui se rapporte à la nécromancie, mais bon. Il n'y a pas vraiment eu de preuve, personnellement. Allez. Je vais faire encore cette quête de trahison, et on va aller chercher le truc. Bon, il n'y a pas encore eu de vengeance, hein. Mais bon, je vais pas parler trop vite. Trahison, les gardes du corps de Bush, le rictus... Sur le Caragor. Il me le faut sur le Caragor. Regardez les gars. La proie en a marre. Elle est venue se faire massacrer. Mouais. Elle va mourir, chef. Dans le Caragor. Dans le cul du Caragor. Et c'est là que je rigole si le Caragor le one shot. Non. Ah non, pour ça tu devras d'abord me passer sur le corps pour finir avec les traîtres. On ne peut pas briser mes ailes aussi facilement. T'es qui toi, Traka? Bon, occupez-vous de lui, je m'occupe de lui, moi. Le but par contre c'est pas de le tuer hein. continue à se battre alors que je suis en train de le...
Alors que je suis en train de le dompter, si je puis dire. Perturbé? Ils peuvent être perturbés. D'accord. Encore un? Je suis les yeux et les oreilles. Partie remise. Ouais, mais non, de toute façon, toi, tu pars. Allez, barre retraite, mon cher. D'accord, j'ai compris. Allez! Et toi aussi, tu vas battre en retraite. Oui, comme ça, au moins, ils se font pas tuer connement encore. D'accord, en fait, tous ceux-là, ils sont avec moi, les chasseurs. Je voulais débuter, maintenant, ils sont avec moi. Bon, allez, viens chez Bibi. Non. Volonté de faire. Je vais le rabaisser encore une fois. Et il faut que je regarde, c'est Takra. Parce que le truc, c'est chaud, quoi, c'est pas... Takra, Takra, Takra. C'est lui, Takra. Volonté de fer. C'est impossible de le récupérer? C'est le mec, en plus, il a aucune chance, quoi, ce qui est nickel. Volonté de fer. Résiste au recrutement dans votre armée. Le rabaisser peut permettre de supprimer cet effet. Ok, en fait, Faut chaque fois que je descende de plus en plus au niveau. Oh, chaud. Bon. Rends-moi ma vie, toi. Allez, go. On va aller voir. Ça va être galère, ça. S'il faut chaque fois que je descende au niveau, au moins. Bon, allez. Par contre, des flèches. Pas au-dessus. Takra. Y'a personne. Alors, sur les toits. Personne. Bon, et ici. Tu m'as pas tué. Ah ouais. Tu as les yeux et les oreilles d'autres personnes. Non, je veux pas te tuer, je te tue. C'est pas la même chose entre quelqu'un qui veut et quelqu'un qui te tue. Il y a une différence. Au, 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 au. Au moins de la vie, toi. Pas de toucher.
Voilà. J'ai réussi à me régénérer complètement. Et merde. Au. Oh. Mais non. J'étais en train de le prendre. Pas de le prendre. Bon, c'est assez étrange en fait, on est comme ça, mais bon. Pas dans la zone empoisonnée. Faut pas aller dans la zone qui pue. Je m'en fous que tu sois enragé par les araignées. Ah, en fait, non, pas trop. Ah, ouais. Eh, le piqué, c'est pas gentil. Là, 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 là. J'ai pas besoin d'être dans un trou, moi. Bon, alors. Non! Empoisonné par quoi? Bon, chaque fois quand je vais aller chercher un truc, ça m'énerve. Bon. Bon, bah, on va aller se faire l'amélioration de siège, hein. Faudrait que je sois level 35, je suis level 27 je crois. Ouais bah non. Alors. Affecter le partisan. Meneur d'attaque. Non, remplacer le membre. Faut que je trouve un qui est déjà pété de base en fait. Alors, le mange montagne, t'as quoi? Cible tendre, vulnérable à la furtivité, peur des exécutions, peur des araignées. Ah ouais non. Dégâts exécution, explosion par bête. Nope. À l'épreuve du poison, insensibilité aux malédictions, enragé par le poison. Alors, bannière de Kerr, appel de renfort, dernière volonté. Ouais. Bande de défenseurs. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas trop en fait. Toi, t'as quoi? Bande d'archer, mine bombe. Classe avancée destructeur, sapeur, c'est quoi ça encore? Appel des sapeurs, véritable bombe vivante, ils explosent en atteignant leur cible. Ouais, mais le problème c'est qu'ils font des dégâts de zone. Enragé par les grogues, à l'épreuve des bêtes, insensible aux attaques des bêtes comme les caragors et les grogues. Ouais, je crois que je vais le mettre lui. Allez, hop. Alors. Progéniture d'Arachne, des hordes d'arachnides mortels envahissent la forteresse, empoisonnant et faisant paniquer les défenseurs. Grog guerrier. L'armée en attaque est soutenue par un grog guerrier, une énorme bête capable de semer la destruction. Drake sauvage, Drake arrive pour faire... Ah ouais, mais non, ouais. Le feu qu'il crache est nocif pour les deux corps. Ouais, non. Je vais plutôt prendre le gros guerrier. Ou limite la progéniture d'Arachne. Je sais pas. Bête de siège ardente. L'armée en attaque utilise des bêtes de siège qui produisent une pluie de destruction ardente sur les murs de la forteresse et les archers qui y sont portés. Ouais, allez. Hop, ça. Armée de chasseurs, de défenseurs ou de sauvages. On va prendre les défenseurs comme j'avais pris avant. Ici c'est Hologai, la cavalerie, hein, enfin renforcer l'attaque. Les sapeurs. Ouais, ça sur les explosifs. Je crois que je vais plutôt prendre cavalerie parce que j'ai quand même pris un Grog. Ou je prends les Hologai et l'armée en attaque est renforcée par un groupe d'Hologai capable de détruire les murs de la forteresse. Lui c'est quoi? Muraille en pierre, des murailles en pierre pour repousser les assaillants. Je vais plutôt prendre les Hologai alors. Bon bah... Go. On va voir comme ça alors. Alors, c'est quoi? Bande d'archers. Classe avancée, tireur d'élite, tir violent, tir rapide, enragé par les lâches, à l'épreuve du poison. Lui, il est sur un Caragor. Alors, chevaucheur de Caragor, assassin, agile, aucune lancée de couteau, à l'épreuve des bêtes. Lui c'est celui que j'ai pris maintenant je pense.
Krakorn, l'inaperçu. Ah bah lui, tu peux directement le choper. Alors, classe renforcée, filou, bombe fumigène, leurre, bombe. Bonus d'attribut, frappe des ténèbres, enragé partout. Voilà. Hop, on va lancer comme ça. Et maintenant, direction la carte. Et on va ici. Ah merde, attendez, parce qu'il me semble que je peux en fait mettre des capitaines à moi en fait pour faire foirer leur truc. Il me semble, si je me trompe pas. Il me semble. Pour ça, il faut pas que je fasse le con, faut que je prenne le bon. Alors non, ordre, infiltrer. On va y arracher le pommelin dans les fosses de combat pour devenir un espion. Hop, Ogour le doré. Ouais, faut que je fasse gaffe parce que si c'est bande de fanatiques. Alors, commandant, bannière de guerre, appel de renfort, dernière volonté. Enragé par exécution, enragé par son rival. Dégâts par attaque à distance, exécution, explosion. Ouais, je vais le prendre lui. Hop, ordre. Ah, c'est à la fois en fait. Bon, bah d'accord. Bon, bah, direction la fosse de combat. Il va y avoir un combat au sommet. Eh, mon perso qui a sauté bien trop loin. Bonjour. Merci pour ta vie. Alors c'est tout au-dessus. Je ne peux pas monter comme ça. D'accord, faire tout le tour. Allez, ils ont fumé. Bon ben, on fait tout le tour alors. Tu veux choper quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dérange? Raté. Alors, ouais, je peux pas intervenir sinon il se fait avoir. Rache doit battre un capitaine ennemi pour faire ses preuves et devenir espion. Puis c'est là qu'il se fait démonter. Je râle. Tu ne survivras pas très longtemps. Stukuga, œil brillant. C'est vraiment pas marrant quand c'est trop facile. Rache le démembré. D'accord, ils prennent quand même des alliés en fait. Ah non, d'office ils ont des alliés avec eux en fait. Ah oui, il a littéralement explosé en fait. D'accord. Il a pas fait de... Il a pas fait de truc lui. Alors, hop. Ouais, je pourrais en mettre jusque 4. Ouais, je veux pas me gêner, hein. Alors, Bubble. Alors, les attaques de bête lui affligent d'importants dégâts. Dégâts par attaque à distance, exécution, explosion. Insensible aux malédictions. Enragé par les Karagor. Trappeur, bonus attribut, mystique. Bande de guerriers, chevaucheur de Karagor. Je pense que je peux le mettre lui. Excusez-moi. Normalement, oui, directement. Allez hop. Non, c'est pas ça. Il faut d'abord que je ressorte de la petite lumière et que je re-rentre. Voilà. 8 balles la main blanche contre un capitaine inconnu. Un hologai. Bah oui. Bon, après, c'est qu'un 23. Lui, il est 28. Mais bon, c'est un hologai, l'autre. Ça commence déjà bien. Allez, il balance chaque fois des bombes. Il est chiant, l'ennemi. Bon, par contre, mon allié, il est littéralement en train de dépecer.
Alors voilà. Espion infiltré. Deuxième espion. Bon, on recule. On en met encore deux. Oula. Papapam. Armé. Je pourrais mettre qui? Ogbourg le doré. Alors, bande de fanatiques dirige une bande dont les membres deviennent enragés s'il est attaqué. Bande de chasseurs. Bon. Alors. Bon ben. Il faut que je fasse gaffe parce que, en fait, j'ai failli une fois me faire avoir par le jeu. Parce que j'avais demandé à un de mes coéquipiers. Qui tire, du moins un de mes capitaines qui tire à distance, d'aller se faire un ennemi qui était vulnérable à distance. Encore bien, mon capitaine faisait des dégâts de feu. Sinon, je me serais fait pour foutre. Sinon, je me serais fait avoir. Vous voulez garder le meilleur pour la fin ou quoi? Je vais te tailler en pièces. Pourquoi avec des hologuys là? C'est fait exprès ou. Oh, par contre, c'est cool, il a une bombe de chasseur, mais avec. Il se fait repousser par les chasseurs. Ouais, j'aime bien. Mais ne joue pas avec lui. Repousse-le, dégage-le. J'adore le combat. Oula, c'est quoi que ce cri là? Je sais pas pourquoi je sens que mon allié il va mourir. Le Logan il a rien pris, hein. Depuis le début il a rien pris, mon allié il prend tout. Paf, allez encore. Oh mon dieu. Mais tape au lieu de parler. Bah ouais, ah j'allais dire, bah voilà il est mort maintenant ça va. Oh. Eh s'il meurt, ça me ferait chier quoi. C'est dur que c'était vraiment une claque. Bon après quand au Kumi combat, le mec il prend 3 siècles pour parler. Il prend 3 siècles pour faire ses attaques quoi. Par contre lui il est stylé l'autre. Hein. Et je suis content qu'il ait la bande de chasseurs parce que sinon tout seul il sert à rien à lui. Faut le dire comme ça. Mais parle pas, attaque! La fusion, c'est pas maintenant, hein. Si vous voulez, c'est en tous deux, mais on n'a pas besoin de voir. En fait, ça, c'est les coups ou chaud. Ok. Ils sont nickels à ce coup, du moins c'est écrit. Allez, survie! Il est pratiquement mort! Voilà, mon dieu! Ah non, toujours pas. Voilà. Mon dieu, qui. Le temps. Chaud. Par contre, il a pu voir en dessous, lui. Voilà. Encore un infiltré. Bon, il ne me reste plus qu'un. Il ne reste plus qu'un. Et je vais pouvoir aller faire mumuse avec la... Avec la... Allez. Avec le truc. Lui, je peux pas parce qu'il est en train de faire un truc. Rug. Tueur toxique. Alors. Inflammable. Arme empoisonnée. Classe avancée. Tueur triple coup. Attaque avec un redoutable enchaînement de 3 coups, fait preuve de prudence en combat rapproché. Enragé par les lynches. Ouais. Je pourrais pas le booster un peu. Est-ce possibilité que je le booste? Oui, non. Ce serait sympa parce que bon, c'est pas comme quoi il serait un peu... J'ai un coffre. Coffre de guerrier, tribu de la terreur. Ah. Je suis même pas. Je suis même pas au courant que j'ai ce coffre là, moi. Alors,
Un épique, c'est quoi? Recrutement d'archer. Lui, c'est Borgou le tordu. D'accord. Ils sont tous level 23. Un boost de dépouille de guerre. Ok. Et Ogbour, l'amoureux de la chair. Quoi? L'amoureux de la chair, tu te fous de ma gueule. Bombe épique. Allez, attribut épique, puissant sauvage. Motive les sauvages alliés qui affligent davantage de dégâts et en subissent moins. Allez, bande de sauvages. Allez, le mec, lui, il est déjà pété de base en fait. Destructeur, explosion finale, c'est quoi ça? En mourant, déclenche une explosion qui étourdit les ennemis proches. Chaud. Allez, preuve du poison. Dégâts par attaque à distance, exécution, explosion, peur des caragors, nourriture pour bêtes. Intimidé, fouille de terreur quand Borgou le tordu est à proximité. Je parie que c'est l'autre, c'est ça? Ouais, Borgou le tordu, et lui, c'est pour l'autre. Ah non, même pas. Et il a rien, lui. Preuve du poison, enragé par les blessures, folie du pouvoir. Devient enragé après avoir rencontré un ennemi plus puissant. Ah! Soif de sang, ça devient enragé lorsque d'autres orques deviennent enragés autour de lui. D'accord. Saccage. Charge furieuse. Charge des adversaires, les chatte à terre et les frappe. Esquivez quand vous le voyez arriver. Ouais, vaut mieux. Et ça, c'est quoi ça? Fonce tête baissée au combat en se déchaînant sur tous ceux qui sont proches de sa cible, y compris ses alliés. Ah, ça par contre, c'est un peu foireux. Mais bon, vu que normalement il a distance, il va pas au contact. Rage épique, reste enragé pendant de longues périodes, attribué épique, gardien du poison, réduit tous les dégâts de poison subis par ses alliés et lui-même. D'accord, pourquoi pas. Bon, mais c'était pas ça que je voulais faire de toute façon. Papam, non, les boosts, c'est pas ça non plus. Et encore, attendez. Non, les boosts, non, c'est pas ça, non. Partisan, non, c'est boost. Non, toi tu dégages. Je veux pas de bête level de bête blanc quoi. Bye bye le guy. Lui j'aime. Non. Attendez, ça plante. Non. 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 C'est lui alors? Lui, j'aime bien sa tête, en fait. Elle est bien, elle est marrante. C'est celui que j'ai d'avoir, j'ai pas regardé. Hein. Rage épique, bande de log. Ah, dirige un groupe de log. Charge furieuse, crime punitif, saccage, bonus de la tribu, chaîne de la terreur, c'est quoi ça? Projette des armes au bout de longues chaînes qui affligent des dégâts à tous ceux qu'elles prennent sur leur trajectoire. D'accord. Pourquoi pas? Mortellement chétif peut être tué instantanément par le poison. Ouh, chaud. Mais il me semble... Il a pas un truc pour contrer le poison? Merde, à l'épreuve du feu, il a pas... Il y a pas un truc à l'épreuve du poison. Ah, serait nickel s'il aurait un truc pour contrer le poison, lui. Attendez, parce qu'il me semble que l'on peut... L'on peut booster son armée, mais je sais plus avec quoi, en fait. On va dire ça, ordre. Ordre d'entraînement X. Ah voilà, d'accord. C'est ici. Octroie une arme empoisonnée. Avancer, c'est quoi? Octroie à partisan à ses alliés proches. Et à ses alliés proches une résistance aux dégâts de malédiction. Ce capitaine devient épique. Améliore volume. Malédiction infligée. Améliore les dégâts. D'accord. Octroie une arme empoisonnée, ça se octroie une bande d'archer, octroie une bande de défenseur et une arme maudite à partisan. Ouais, il a déjà une bande d'archer, tir violent, tir rapide. Il aurait pas, au plus grand des hasards, une arme empoisonnée? Octroie une arme empoisonnée à partisan, ce partisan devient épique. Chaque bandeau de crâne, arme empoisonnée obtenue. Alors, normalement... arme empoisonnée, bande d'archer, d'accord. En gros, on peut... S'il y a une classe qu'on aime bien, du moins, qu'on aime franchement, on peut franchement bien le booster en... On peut le booster, mais comme pas deux, quoi.
Donnez l'ordre à votre partisan à se battre pour vous. Le picotement, mozou. Inflammable, nourriture pour bêtes, meute de Kargor, chevaucheur de Kargor, tueur de bêtes. Bon, allez hop, infiltre-moi là. Infiltre-moi ça, toi. Alors, après on pourra enfin aller se faire la... Allez, le truc. On va voir. Ah, elles sont belles, telles en son bronze. Crimp, l'esclavagiste. Prépare-toi. Mozu, dresseur. Attendez, je rigole s'il se fait tuer instantanément. Oh, dommage. Ça aurait été marrant. Lui, il est à distance. Il lance ses lances. Sur le temps que ses deux caragors font le taf. Oh, merde. Ah, il se fait molester par les Karagor, lui, par contre. Il les aime pas, les Karagor. Il y a de faire quoi, là? D'accord, il est tout seul contre les deux Karagor et... D'accord. Bon, ben voilà, ça règle le problème de est-ce qu'il va survivre? Oui, il survit. Alors. Voyons voir. C'est bon, ceux que j'ai mis. Meneur, Touka. Oh, quand même, j'ai pas tout, pris Touka parce qu'il y a eu un bug. Alors. Ça, c'est cool. On peut aller se faire la forteresse. Tac. Voilà. Nakra, le fidèle. C'était quand même l'épisode du fail, là, celui-ci. Si je peux dire. Je vais avoir un capitaine, bah, il se fait tuer par un autre capitaine, qui lui meurt de l'emprisonnement à cause d'un de mes capitaines, moi je crois. Bon, ça a été un troll, quoi.